over the age of 35. Raise your hands. Perfect. Bye-bye, Nick. Toute la semaine, j'ai eu de la difficulté à me réveiller à 6 h du matin. Hier soir, il y a un autre courtier de mon équipe qui m'appelle et qui me dit « Écoute, on va au gym demain matin à 7 h 30. » Ce matin, je me réveille à 6 h du matin, pile, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Je pense que je suis trop compétitif. Bon matin. Oh. J'ai failli dépasser 120 km/h. Cruise control. Pas le choix d'utiliser Cruise Control jusqu'au jour où j'aurai ma Tesla. Ça va être différent. Là, je le mettrai sur autopilot. Plus de tickets. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé où est le vlog numéro 3. Il est là. Apaisez vos cœurs. Suleiman est de retour. J'ai pas filmé beaucoup parce que le bureau était fermé. Puis j'ai un peu restructuré ma compagnie en immobilier. Avant, je faisais beaucoup d'appels. Beaucoup de lettres, du marketing avec des lettres. J'ai réalisé que c'était pas la meilleure façon d'utiliser mon temps. Donc, j'ai tout transféré vers les réseaux sociaux. Donc maintenant, ma campagne pour trouver des clients, c'est totalement sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, ça va, mais ça, c'est beaucoup de stress, beaucoup de travail. À part de ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La plus grosse nouvelle, c'est que le 31 décembre, j'ai quitté mon 9 à 5 pour me lancer à 100% dans l'immobilier. Ceux qui me connaissent savaient que je faisais les deux en même temps, donc j'avais tout le temps mon laptop du travail à côté, puis je travaillais un peu, j'envoyais des petits messages, puis je faisais mon truc d'immobilier. Mais j'avais envie de commencer 2021 100% concentré sur l'immobilier. C'est ce que j'ai fait et je ne regarde pas en arrière. Dieu merci. L'univers merci. Ok, on va au gym. C'est beau. Yes. Okay. Mesdames et messieurs, je vous présente Carlos Suave. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave. Bésame, bésame, suave. Bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios. Au bureau. Ça va. Ça va. Ça va, man. Ça va, journée. J'ai hésité avant de prendre la chemise rose ce matin, mais je pense que c'était un bon choix. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82, when I look at you like this shit crazy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even pro be here. Ball so hard. Je suis super excité, il y a un de mes clients qui vient juste de me contacter pour une évaluation de sa maison. On croise les doigts, j'adore les évaluations. Let's go! Là, il faut que je me prépare, puis il est 11 h 40, il veut que je sois là pour 12 h 30. Il ne me donne pas grand temps pour me préparer, mais je vais faire de mon mieux. Let's go!
Let's go. Et voilà, je viens juste de finir l'évaluation, ça s'est bien passé. J'ai un bon feeling avec celle-là. Donc, probablement que dans le futur, ça va être une nouvelle maison à vendre. J'ai deux petites commissions dont je dois m'occuper. Ensuite, on va aller au bureau puis on pourra discuter un peu. Thank you, bro. Et voilà, ça fait un vendu de plus. Celui-là est quand même assez spécial pour moi parce que c'est un quadruplex. Donc, tout le monde sait que j'adore un peu les investissements immobiliers. Le propriétaire avait essayé de vendre auparavant, il n'avait pas réussi. En fait, il avait une offre qui était en bas du prix d'achat qu'il a refusé. Ensuite, il n'a pas réussi à vendre. Je l'ai contacté, on l'a mis au même prix sur le marché. On a vendu en une semaine et demie, au-dessus du prix d'achat. Puis, il avait eu beaucoup de difficultés avec les visites puis les locataires. Donc moi, comme je m'y connais un peu dans le multilogement, c'est moi qui... j'ai pris le numéro de chacun des locataires. Puis c'est moi qui faisais les visites. Donc chaque visite, j'étais là. Puis, il y avait aussi des problèmes parce que certains courtiers arrivaient en retard. Puis les locataires, ça les dérangeait un peu. Donc ce que je fais, c'est que quand on a une visite, je donne une plage horaire aux locataires. Puis je suis là dès que ça commence jusqu'à la fin. Comme ça, ils savent que quelqu'un est là. Puis au lieu de leur dire on arrive à telle heure, mais il y a quatre logements. Donc moi, je leur donne une plage horaire pour qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une visite entre telle heure et telle heure. En tout cas, j'adore gérer ce genre de trucs. Puis c'était une vente que j'apprécie beaucoup. Donc commission numéro 1 terminée. Ok, commission 2 est terminée. C'est un genre de nouveau trépied. J'avais celui-là avant, mais bon. J'étais dû pour un nouveau. Ouf, c'est du solide ça. Oh, c'est dur. Nice. Maintenant, on va au bureau. J'ai trouvé ça aujourd'hui à la maison, puis ça m'a inspiré un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Y a un jeune de 16 ans qui m'avait demandé sur une vidéo que j'avais fait sur TikTok, il m'avait dit qu'il ne savait pas trop quoi faire dans la vie. Donc ça m'a inspiré pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais expliquer un peu comment j'ai fait pour devenir courtier immobilier. C'est quoi le processus que j'ai suivi. Tout a commencé avec Walmart. Sur ma première job, c'était à Walmart. Je pense que j'avais 17-18 ans, puis pendant l'été, je travaillais à Walmart, puis mon objectif, c'était de faire plein d'argent, puis de ne pas m'amuser de l'été. Donc, je ne suis pas sorti avec des amis, je n'ai rien fait, j'ai économisé tout l'argent que j'avais. Puis, je me souviens, la deuxième paye que j'avais eue, j'étais parti dans un guichet automatique, puis j'ai sorti 1 000 $ cash. C'était la première fois que je voyais autant d'argent de ma vie. Je l'ai mis dans ma poche, puis je suis parti dans un concessionnaire de voitures, de luxe. Je suis rentré, puis j'avais un papier avec un stylo, puis j'écrivais le prix des Porsche sur le papier parce que je voulais voir combien d'heures je vais devoir travailler pour pouvoir m'acheter une Porsche. Je sais que ça fait aucun sens. Mais il y en avait une que j'ai bien aimée, une 911, puis elle coûtait 69 000. Fait que là, je rentre à la maison, je fais mes calculs, puis je réalise que ça fait pas de sens. Il va falloir que je fasse 69 fois ce que j'ai fait pour me permettre la Porsche. Puis en plus, je travaillais tous les jours, puis je prenais les chiffres des autres personnes quand elles ne travaillaient pas. Donc, j'ai réalisé que Walmart, ce n'est pas la solution. Ça m'a fait réfléchir un peu plus, puis je me suis dit que probablement qu'il faut que je trouve un meilleur emploi ou bien il faut que je me lance en entrepreneuriat. Donc, j'ai continué l'école un peu. Je suis allé au cégep, puis ma job que j'avais pendant que j'étais au cégep, je travaillais à l'hôpital de Gatineau, dans le petit restaurant qui s'appelle le Casse-Croûte. Puis, c'était bien. Des fois, je travaillais de nuit, des fois, je travaillais le matin, dépendamment de mes cours. Puis, même chose, j'essayais de prendre le plus d'heures possible, puis d'économiser mon argent. Jusqu'à un jour très spécial que j'oublierai jamais.
je travaillais dans la cuisine, donc je faisais à manger. C'est moi qui coupais les légumes, qui travaillais à la caisse, puis qui faisais des petits gâteaux, des choses comme ça, des muffins. Puis je pense qu'il y avait un des plongeurs qui mettait les couteaux dans le lave-vaisselle, donc ça a commencé à émousser les couteaux, puis ça les a brisés. Puis il y a quelqu'un qui s'est plaint que c'était moi qui coupais mes légumes trop fort. Puis c'était pas le cas. Donc j'ai été appelé par la gérante le lendemain, puis elle me confronte très agressivement, puis elle me dit « Hey, comment ça se fait que tu coupes tes légumes comme ça ?» Puis là, je lui explique que non, c'est pas moi qui coupais mes légumes fort, c'est juste, je pense que c'est le plongeur qui met les couteaux dans le lave-vaisselle alors qu'on n'est pas censé le faire. Ensuite, elle se fâche, puis elle me dit « Hey, comment ça tu coupes tes légumes fort de même? On n'est pas en Afrique ici. » Puis là, je l'ai regardé, je savais plus quoi faire, je me suis mis à rire, parce que quand je savais pas comment réagir dans une situation comme ça, donc mon mécanisme de défense a été, je me suis mis à rire. Puis là, ça l'a enflammée encore plus. Elle s'est fâchée, elle a dit « En plus, tu me ris dans la face. » Puis en tout cas, ça a mal tourné. Quelques jours plus tard, elle m'appelle le matin, puis elle me renvoie comme ça au téléphone. Fait que c'est deux histoires différentes dans deux emplois différents. La première, ça m'a fait réaliser que avec un 9 à 5, comme celui que j'avais au Walmart, peu importe, c'est pas ce qui va vraiment me permettre d'avoir les choses que je veux dans la vie. Je suis un gros fan de voitures, donc j'aimerais ça avoir des belles voitures. C'est ma passion, c'est ce que j'aime. Puis la deuxième expérience m'a fait réaliser que j'ai pas nécessairement envie de travailler pour quelqu'un. C'est pas un feeling que j'ai aimé, de me sentir comme si je suis pas le maître de moi-même, le maître de mes actions, comme si je suis pas dans ma compagnie à moi-même, puis quelqu'un peut me maltraiter comme ça. Cette journée-là, j'ai réalisé que non, je suis pas fait pour travailler dans un bureau. Je ne suis pas fait pour travailler pour quelqu'un. Je dois être entrepreneur. Après ça, j'ai fait toutes sortes d'autres emplois juste pour économiser de l'argent pendant que j'étais aux études, toutes sortes de choses. Donc, j'ai travaillé dans la construction, j'ai fait la toiture, j'ai fait les garde-fous, j'ai travaillé au service à la clientèle, j'ai travaillé pour le gouvernement, j'ai travaillé dans des centres d'appel. J'en ai fait des choses, c'est pas possible. Parce qu'en même temps, je me cherchais. Ce qui vient à la deuxième partie des choses, là, on a parlé plus des emplois. Après, ça va être les études. Donc, quand j'ai fini le secondaire 5, je suis allé en génie informatique parce que mon père était dans l'informatique, mon cousin est ingénieur, mon grand frère est ingénieur. Donc, je pensais que c'est ce que je voulais faire. Donc, je suis parti à la cité collégiale. Première année, je faisais juste jouer au basket puis courir après les femmes. Donc, j'ai eu des très mauvaises notes. Puis, la cité, c'était cher. Donc, mon père m'a sorti de la cité puis il m'a mis au cégep de l'Outaouais en sciences humaines. Là, j'ai fait les sciences humaines un petit peu, j'ai joué au basket, j'aimais pas les sciences humaines, puis je suis tombé en amour avec le journalisme. Donc, je suis retourné à la cité collégiale faire mon cours de journalisme pendant un an et demi, puis après, j'ai réalisé que j'aimais pas ça. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment la liberté d'expression, c'était plus tu dois te conformer au journal pour lequel tu travailles, ou la chaîne télé pour laquelle tu travailles. Puis de l'autre côté, j'avais appris tout ce que je voulais apprendre, qui était cinématographie, filmer des choses, prendre des photos. Donc j'ai arrêté la cité et puis je me suis lancé dans toutes sortes de petites entreprises. Fait qu'à un moment donné, comme j'aimais les voitures puis je me connaissais bien en mécanique, j'avais une page Facebook qui s'appelait Mécano sans frontières. Puis je faisais des pubs sur Kijiji. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais mes outils, j'allais réparer la voiture des gens dans leur cours. Puis c'était mon business. Je ne l'ai pas fait trop longtemps. Après ça, je me suis acheté une machine qui faisait des petits collants en vinyle. Comme par exemple, quand tu as un magasin, sur les fenêtres, les petits collants que les gens mettent, c'est ça que je faisais. Fait que j'en ai fait un peu. Puis à un moment donné, j'ai failli avoir un gros deal de plus de 10 000 $ pour une compagnie qui fait des roues de voiture. Je pense que c'est RSSW, la compagnie. Il voulait faire des petits collants pour ses clients. Fait qu'il m'a demandé de lui envoyer quelques-uns juste pour tester. Fait que je lui en ai envoyé, on a discuté et tout. Puis, une fois que c'est arrivé, il ne m'a plus jamais contacté. Donc là, j'étais tellement fâché. Jusqu'à ce jour, je pense que si je dois acheter des jantes pour une voiture, je ne vais jamais acheter des jantes RSSW. Après, j'ai commencé un podcast avec un de mes amis où on faisait des entrevues avec des gens qui avaient réussi dans leur domaine respectif. C'était super le fun. J'aimais ça parler avec des gens puis apprendre sur différents métiers, différents business. Mais à la fin, j'avais déménagé à Montréal, donc on a arrêté le podcast. Ensuite, j'ai essayé d'être acteur. Fait que j'ai joué dans deux ou trois petits films, puis des genres de publicités à la télévision. Je pense que je vais en mettre un ou deux ici pour que vous puissiez voir.
Après le podcast, on a commencé à faire de la photographie puis de la vidéo. J'ai toujours eu une passion pour l'immobilier. Je voulais toujours investir en immobilier. Donc, je me suis dit, une façon d'être proche du domaine, ce serait de faire de la photographie puis de la vidéo pour les courtiers immobiliers. Ça, c'était avant que je devienne courtier. Donc, j'ai fait ça avec un ami. Ça marchait bien, c'était bien. Mais à un moment donné, je voulais faire quelque chose de plus. Puis, je me suis arrêté. Puis, je me suis analysé un peu. Je me suis dit, écoute, je veux être entrepreneur. Je veux avoir ma propre compagnie. J'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Je veux pas faire du 9 à 5. Je veux être maître de mon propre horaire, mon propre emploi du temps. Donc, je me suis dit, 2 plus 2 égale 4. J'aime l'immobilier. Je veux être entrepreneur. Pourquoi pas devenir courtier immobilier? Donc, j'ai fait le cours de courtage. Je suis devenu courtier, j'ai commencé à travailler doucement, mais j'avais toujours mon boulot du gouvernement, comme j'avais dit plus tôt aujourd'hui. Puis, cette année, je m'étais dit que je veux un changement dans ma vie. J'en ai fini de travailler pour quelqu'un, c'est la dernière fois que je le fais. Puis, le 31 décembre, j'ai quitté mon emploi. Puis, le 1er janvier, j'ai commencé, pour la première fois de ma vie, en ne travaillant pour personne. Donc, pour la première fois de ma vie, je ne travaille plus pour personne. Je travaille juste pour moi-même. Avant de quitter mon emploi, c'était difficile. Il y avait beaucoup d'anxiété. J'avais peur. Je me disais, est-ce que je vais réussir? Est-ce que si je ne fais pas de vente, qu'est-ce qui va se passer? J'avais tellement peur. Il y avait beaucoup d'anxiété. Mais j'ai quand même pris le saut. Puis là, ça fait 2 mois et demi. Et j'ai fait plus que le salaire complet que je faisais avec mon 9 à 5 au gouvernement. Fait que ce n'est pas quelque chose que je regrette. Donc, en gros, toute cette histoire-là, c'est juste pour dire que une des choses que j'ai appris dans la vie qui est très importante, c'est qu'il faut arrêter de se comparer aux autres à un moment donné. Je pense que chaque personne a son chemin. Chaque personne va cheminer de sa propre façon pendant son propre temps. Ça ne sert à rien de se mettre des barrières comme « Ah, je dois avoir ma carrière à 25 ans. Je dois avoir tant d'argent à 30 ans. Je dois avoir 5 enfants, être marié. » Ça ne sert à rien. Chaque personne a son processus. Et si tu perds ton temps à regarder les autres puis à dire que oh, je ne suis pas encore là, je me sens mal, j'aurais dû savoir, rendu à mon âge, où est-ce que je veux aller dans la vie, tu vas juste finir par ne pas être heureux. Moi, ce que j'ai appris, c'est que l'important, c'est d'être en compétition avec toi-même, puis d'essayer de travailler plus fort chaque jour, puis de vraiment travailler fort dans la vie. Donc, j'ai appris qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer toutes sortes de choses parce que ce n'est pas des échecs, mais c'est plutôt toi qui te cherches. Et plus tu te cherches, plus tu essayes des choses, plus tu apprends à te connaître. OK? Je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Bon, il est déjà 7h15, il va falloir que je range toutes les choses que j'ai sorties puis que je rentre à la maison. Donc, that's it pour le vlog. On se voit la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. À plus.